Tatiana Totmianina et Maxime Marinin représentent la Russie. Ils sont septièmes au terme du programme court. Triple salto en parallèle, parfait. Salco lancé, oui. La pirouette combinée pour terminer le programme. Eh bien, ça s'est très bien passé pour Tatiana et Maxime, qui...
qui pourraient bien être des outsiders sérieux dans cette compétition, patinant dans l'avant-dernier groupe. Isabelle, ils n'ont pas grand-chose à perdre, ils ont tout à gagner. Et qui sait si ce couple ne va pas venir bouleverser quelques pronostics. Je pense, Isabelle, qu'ils vont prendre la tête de la compétition. Pour l'instant, ils devraient prendre la tête. Et je les vois, dans un futur proche, grimper encore plus haut que le résultat de cette année. Et car elles sont encore tout jeunes, il faut le noter. Tatiana n'a que 19 ans, Maxime en a 4 de plus. D'ailleurs, avant de rejoindre Marinine, Tatiana patinait en solo. Et cela se voit à travers très très belle amplitude de saut. Voilà le triple salco en parallèle. Le double lutz lancé. Certains couples le font le en triple. Le triple. Il faut au moins le double, mais cette fois, ils ont choisi de faire le triple. Et ça, c'est la position idéale pour la jeune fille, de façon à ce que le partenaire puisse la rattraper plus aisément. Et voilà un des portés requis. Et voilà donc qui rejoignent cette fameuse zone Kiss and Cry, où on a vu, hélas, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, pas mal de pleurs en l'occurrence. Davantage de pleurs que d'embrassades, oui. Mais c'est vrai qu'il y a eu également pas mal de sourires. En tout cas, je pense qu'avec ces notes, Tatiana et Maxime vont sourire. Tout à fait, leur note artistique va certainement être supérieure. Note assez équilibrée pour le moment. Chose qui est rare. Oui, nous aurons peut-être l'occasion tout à l'heure, ma chère Isabelle, de revenir sur les jugements de vos amis, les neuf sages qui ont pris place au bord de la patinoire. Pour l'instant, seul le juge américain se distingue en les mettant à une surprenante deuxième place. Au fond, la promenade des Anglais, Nice Baie des Anges, voilà, Nice 2000. Championnat du monde de patinage, la cité de la Côte d'Azur qui est fière d'accueillir ces championnats.